So viewers all over the world, dans téléspectateurs du monde entier, welcome to our live service broadcasting here behind the door of Baba Douala. Venez ici, vous êtes ici en direct de notre service. From whatever nation you are watching us from, quelle que soit la nation vous nous suivez, is it in Asia? Est-ce que c'est en Asie? North America? En Amérique? Are you in Europe? Est-ce que vous êtes en Europe? Connect by faith. Connectez-vous par la and foi. And the Lord Jesus Christ, le Seigneur Jésus Christ, who is here, qui est ici. He is also in your own nation. Il est aussi dans votre nation. He is where you are. Il est là où just vous believe. Êtes. Croyez seulement. And listen. Et écoutez. And connect. Et soyez connecté. To what you are about to hear. And the comprendre. Lord Jesus Christ, le Seigneur Jésus who Christ, also do it for you. Vous aussi le faire pour in vous. Jesus' name. Au nom de Jésus. So, madame, you are welcome in Jesus' name. Donc, yes. Madame, vous êtes la bienvenue au nom de Jésus. Please, yes. Can you tell us your name, where you are coming from, and where you reside? Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre nom, d'où vous venez et d'où vous résidez? Merci. Je suis Madame Agwanfo Judith, épouse de Ndormo. Je suis de l'ouest du Bamboutos et je vis à Douala, au quartier Makepe, Monde Uni. Hallelujah. So, madam, can you tell us what is it that the Lord Jesus Christ has done into your life that you are here today to testify and to thank him for? Madame, vous pouvez nous dire ce qui vous a amené ici pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie? Oui, il y a de cela quelques années, lorsque le ministère était encore de l'autre côté, pendant la séance, j'ai été... Bref, l'homme de Dieu il a prophétisé dans ma vie, il a vu les idoles. Après, il a dit, après l'église, on se réunissait par groupe, tous ceux qu'on a prophétisé dans leur vie. C'est où, quand on est en train de causer, je suis en train de causer avec l'homme de Dieu, il me dit, je vois la tristesse dans ta vie. J'ai dit, oui, ça fait depuis 4 ans que je n'ai pas les nouvelles de mon mari qui est à l'extérieur. Depuis, je ne sais pas s'il est vivant ou s'il y a quoi que ce soit. Il me dit, je vais prier pour toi et je vais prier pour ton mari. Et sois tranquille, il va rentrer. Déjà, tu recevras un appel de lui, puisque je n'avais plus d'appel de lui. Du coup, le lendemain, quand j'arrive à mon lieu de service, où on Hallelujah. So, viewers all over the world, our sister is explaining to us that she came in contact with the Holy Mountain Ministries 3 years behind, where the ministry was located behind Bokom Lo Baba. So she said she came during one of the Sunday prophetic service. She had an encounter with the God servant prophet A. Samuel. He prophesied into her life concerning the idols of the family. And she said immediately after the service, the man of God asked the people who have received prophecies to wait. She said when she encountered the man of God after the prophecies for counseling, the man of God prayed for her and also told her that her husband prayed for her and prophesied to her concerning the husband who has been out of her life for a very long time. And she explained that she never knew that the man was still alive or she was not alive. So she said the man of God prophesied to her and prayed for her and told her that after she will leave from here, she's going to have contact with her husband. So let us watch the playback of her encounter with God's servant, Prophet A. Samuel. Evangelist. Thank you. Evangelist, pray for your family. Priez pour votre famille. Yes. My mother. C'est ma maman. Yes, man of God. Un mercredi soir, elle avait prophétisé sur moi qu'elle, elle va avoir une paralysie à la main droite. Et elle a les nerfs. Elle a la paralysie au pied gauche. Bon, elle avait prophétisé sur sa maladie. Je voulais qu'on prie pour elle. One Wednesday I was here and man of God gave the prophecy concerning her that she will be paralyzed in one side and she have nerves. Okay, that is why they have brought her. La raison pour laquelle on est venu avec vous. For prayers. Pour la prière. Uh-huh. Yeah, don't worry. As you have come, Mom, God bless you. Madame, que le Seigneur vous bénisse. God bless. Pray for your family. Priez pour votre famille, madame. I'm seeing the spirit of intercessor. Je vois l'esprit d'intercesseur. Is French?
C'est le français? Français, oui, c'est le français. Priez pour votre famille. Priez pour votre famille. D'accord. I'm seeing the spirit of intercessor. Je vois l'esprit d'intercesseur. Yes, I'm seeing the spirit of intercessor, evangelist. Je vois l'esprit d'évangéliste en vous. Evangelist. Evangelist. Evangelist, pray for your family. Priez pour votre famille. Yes. It's my mother. C'est ma maman. Yes, man of God. Un mercredi soir, avait prophétisé sur moi qu'elle, elle va avoir une paralysie à la main droite. Et elle a les nerfs. Elle a la paralysie au pied gauche. Bon, on avait prophétisé sur sa maladie. Vous voulez qu'on prie pour elle? One Wednesday I was there, and man of God gave the prophecy concerning her that she would be paralyzed in one side, and she have nerves. Okay, that is why they have brought her. La raison pour laquelle on est venu avec vous. For prayers. Pour la prière. Yeah, don't worry. As you have come here, comme vous êtes venu ici, tout est fini. Yes. Amen. Pray for your family. I'm seeing the spirit of intercessor. Pour votre famille, je vois un esprit d'intercesseur sur vous. When you pray, God will answer your prayers. Quand vous priez, Dieu va vous exaucer. Always talk about God to people. Parlez toujours de Dieu aux gens. An evangelist. Always talk about God to people. Parlez toujours de Dieu aux gens autour de vous. Have you heard? Vous avez suivi? Thank you. Thank you. Number two. Deuxièmement. Pray against this idol. This is idol in the form of score. Je vois des idoles comme des masques. Score. Human score. Yes? Skeleton. This is idol. Je vois des idoles dans votre famille. I'm seeing human score. Je vois comme des squelettes. They have destroyed many people in the family. Les crânes, ça a détruit beaucoup de choses dans la famille. Nous adorons beaucoup les crânes et nous pratiquons régulièrement les cultes ancestrales. Nous adorons beaucoup les crânes et nous pratiquons régulièrement les cultes ancestrales. We adore that score and sometimes we do some. In their family, they are worshiping the score. They are worshiping score and they do some. Hey, madame. Dans ma famille, on adore beaucoup les idoles. Quand quelqu'un meurt, après on prend le crâne, on commence à adorer. When somebody died, they remove his core and we start to worship. Yes, God is showing me this course. Dieu me montre cette crâne. That this course have destroyed many things in their destiny. Ce sont ces crânes qui ont détruit beaucoup de choses dans votre destinée. This course, I'll see you after the service. You need to be disconnected from this course. Vous devez être déconnecté de ces crânes. Oh, you part one family. C'est la même famille. Okay. My grand-sœur, c'est ma grande sœur. Okay. Yeah, all of you people, as you have one family, that's core. I'm seeing score. God is bringing me score. God is telling me that this is what they are worshiping, idols. C'est ce qu'on adore, les idoles. But don't worry. The mighty Jesus Christ. Loose and go. The mighty Jesus Christ. That power of scores. I liberate you. Fire over your body. Fais sur tout ton corps. Fire over your body. Fais sur tout ton corps. The mighty of Jesus Christ. Nom puissant de Jésus. Fire. Feu. Be loose. Sois libéré. Be loose. Sois libéré. Thank you, Lord. I declare you free. From those causes, the second go. Those things, they are the ones that have paralyzed you. Everything is over. God bless you. Paralysé. Tout est. You are coming back with your testimony. Hallelujah! So viewers all over the world, we have just watched the playback of the encounter with God's servant Prophet A. Samuel with our sister. And she explained that after the prophetic encounter with the man of God and the prayers, during counseling, the man of God spoke to her concerning the husband who have abandoned her for a long period of time. And the man of God prayed for her and told her that as she's going back, she's going to reconnect back with the husband. And the power of God is going to bring the husband to her wherever he is. So my sister, you have watched your encounter with God's servant Prophet A. Samuel. So what happened? As the man of God prayed for you, what did the man of God told you, and what were the results? Dans notre sœur, tu as vu ta rencontre avec l'homme de Dieu, le prophète et Samuel. Peux-tu nous dire maintenant ce qui s'est passé lors de ta rencontre avec le prophète et Samuel, et qu'est-ce qui est arrivé plus tard dans ta vie et dans ton mariage? Oui, je tiens d'abord à rappeler que la paralysie dont je souffrais pendant cette période-là a disparu. Can we clap mightily for Master Jesus Christ?
So our sister said that as a man of God declared that whatever has been paralyzed over her life is going to come back to life and she's going to testify. So she's confirming that immediately after the prayer, the paralysis that she was going through, immediately after that day, the paralysis was over. Can we clap again mightily for Master Jesus Christ? Ok, madame, après ce problème de paralysie qui a été guéri par notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est donc passé par la suite concernant votre mariage? Par la suite, le lendemain, puisque l'homme de Dieu m'a dit, tu vas recevoir les nouvelles de ton mari. Le lendemain, étant donné que le téléphone était interdit dans mon lieu de service, je ne sais pas, par la foi, j'ai allumé le téléphone, et dans les risques même d'être prise. Du coup, directement, il m'a appelé. Can we clap for Master Jesus Christ? S'il vous plaît, madame, est-ce que vous pouvez nous dire après combien de temps votre mari vous a appelé? Après environ 5 ans. Donc ça faisait 5 ans que votre mari, vous n'aviez plus de contact avec votre mari. Oui, oui. Mais vous dites qu'après la prière de l'homme de Dieu, et après que vous avez prophétisé que votre mari, quand vous allez garder votre téléphone avec vous, votre mari va vous joindre. Vous dites que lorsque vous êtes rentré, le lendemain, vous êtes allé dans votre lieu de service, malgré que le téléphone est interdit, mais vous êtes allé par la foi, croyant à la parole de l'homme de Dieu, disant que tenez votre téléphone bien à côté de vous, parce que votre mari va vous joindre. Et vous dites que le lendemain, votre mari vous a contacté et vous avez causé avec lui. Oui, oui. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur Jésus-Christ? So, we were all over the world. Our sister is explaining to us that when she encountered a man of God, Prophet H. Samuel, he prayed for her and counseled her and told her that as you are going back, your husband is going to call you. And she's saying that it has been over 5 years that she has not known the word about the husband. She has not even heard any contact or any word from him. But when she encountered God's servant on that faithful Sunday, she said on Monday when she went back and she went to work on Monday, she said on that day, phones were not allowed to be used at their place of work. But she said out of stubbornness, she tried to open the phone. And she said, as immediately the phone came on, the first call that came into that phone was the husband that was calling after 5 years of no contact. Can we clap for Master Jesus Christ? Hallelujah, madame. Madame, nous voulons savoir pour le bénéfice de ceux qui vous regardent, s'il vous plaît. Nous voulons savoir, est-ce que lorsque l'homme de Dieu vous avait prophétisé que voilà, vous allez rentrer en contact avec votre mari va vous joindre. Est-ce que vous aviez le numéro de votre mari à ce moment-là? Non. Puisque depuis, il n'était plus joignable. J'ai essayé d'appeler partout en vain. Donc vous essayez de joindre votre mari pendant toutes ces périodes, mais vous n'arrivez pas à le joindre. Oui, oui. Puisqu'il n'était plus joignable. Oui, oui. Il avait quitté la maison, ça faisait il y a combien de temps? Ça faisait environ 7 ans. 7 ans. Mmh. Mais après avoir rencontré l'homme de Dieu et qu'il a prié pour vous, et vous a prophétisé que votre mari va vous joindre, le lendemain, votre mari vous a appelé. Et quand votre mari vous a appelé, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Oui, lorsqu'il m'a appelé, je lui ai dit, j'étais à l'église, on a prié, l'homme de Dieu a prié pour lui. Il m'a dit que oui, il a ressenti la prière là en lui. Alléluia, est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. So, our sister is explaining to us that when the husband called her on that fateful day, he told the husband that I was in church and the man of God prayed for me and told me that you were going to call. The man said that I felt the prayer of the man of God because on that same day, he said he felt something as if something left him and he was confirming that as the prayers were taking place here, it was also affecting him where he was. Can we clap for Master Jesus Christ? Hallelujah. Madame, nous voulons savoir, pour le bénéfice de tous ceux qui ne connaissent pas exactement votre vie de manière profonde, votre mari était exactement où? Est-ce qu'il était au Cameroun ou était à l'extérieur du pays? Mon mari était à l'extérieur du pays. Donc, il était à l'extérieur du pays depuis 7 ans. Oui, oui, il était au Congo. Il était au Congo. Mm-hmm. Mais vous n'aviez plus de ses nouvelles depuis 5 ans. Oui, oui. Mais après la prière de l'homme de Dieu, il vous a contacté. Oui, oui. Et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez vous dire? Votre mari maintenant, est-ce qu'il est au Cameroun maintenant, est-il avec vous? Ou alors il est encore à l'extérieur du pays? Oui, puisque l'homme de Dieu m'a dit, il va vous contacter et puis il va rentrer. Et est-ce qu'il est rentré aujourd'hui? Il est rentré, il est au pays. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur Jésus-Christ? Notre sœur a été de confirmer effectivement que son mari, après la prophétie et la prière de l'homme de Dieu, son mari l'avait appelé le lendemain et elle dit qu'à présent, son mari est dans sa maison et au pays et il est avec elle maintenant dans la maison. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur Jésus-Christ? Celebrate the grace of our Lord Jesus Christ as she continues to testify to give us this wonderful testimony this morning. And she says the husband is right in Cameroon and in the same house with her. So right now, our sister would like to know
What are your experiences right now with your husband compared to your past experiences you had with him during the time of the crisis? Donc, notre maman, nous voulons savoir maintenant quelles sont vos expériences maintenant avec votre mari comparées aux anciennes expériences que vous aviez avec lui avant la prière, votre rencontre avec l'homme de Dieu et qu'il ait prié pour vous. Oui, lorsque mon mari est rentré, je vais préciser encore une chose. La puissance du témoignage dans la vie de l'homme, d'un chrétien. Plus que quand mon mari est rentré, je ne suis pas venue rendre grâce, je n'ai pas fait témoignage. Et il est rentré bras ballants. Il n'avait absolument rien. Lorsqu'il est arrivé, je lui ai remis mon business à une hauteur d'un million sept cent mille. Mais la prière n'était plus. Le témoignage n'étant plus. Mon mari a bousillé cet argent complètement. Et puis nous sommes redevenus à zéro, sans rien. À un certain moment, je n'ai même plus cru à ce mariage, j'ai voulu quitter. C'est où le frère Dean m'a parlé de la puissance du témoignage dans la vie d'un chrétien et de la prière. Donc, je lui rends grâce. Est-ce qu'on va applaudir pour le Seigneur Jésus-Christ? So, yes, people of God, our mother and her sister continues with their wonderful testimony. She says, after her husband came back home, the experience that she has, she first of all wants to thank God for the power of testimony, because when the husband came back home, they forgot about prayer, they did not think about testifying to God for the goodness of God in their life. But one of our brothers had to talk to them and bring them to the knowledge of the power of testimony. And in which case, when the husband came back, she had some money for business. It was about 700,000 francs. 1,700,000 francs. This amount of money was set aside for the capital for business, and she entrusted this money to her husband for business. But because they were no more into prayers and they did not think about testifying for the goodness of God, their money all drained down and the business had to stop. So, but a brother came up to her and also taught her the knowledge and the power of testimony. And right now, she understands the power of testimony as a seal to the truth and the works that God is doing in our lives, and also a replication of the miracle of God in our lives. So right now, she wants to thank God for all that has happened in her life and for the breakthrough now that they have together as marriage couples. Can you put your hands together for Master Jesus? Hallelujah. Oui, maman, nous voulons savoir. Maintenant, la dernière fois ici, pendant le service prophétique du vendredi spécial, nous avons aperçu l'homme de Dieu donnant la prophétie à un homme qui était à côté de vous. Oui. Effectivement, c'était votre mari. Oui, lui donnait une parole de prophétie et vous aussi vous a prophétisé. Oui, est-ce que nous pouvons maintenant regarder ces paroles de prophétie que l'homme de Dieu avait données à votre mari ici pendant le culte prophétique spécial de ce vendredi spécial au nom de Jésus? So, viewers all over the world, we are going to watch during the last Friday prophetic service as God's servant prophet A. Samuel encountered the husband unknowingly, and when the man came out, that is when the woman came out to also confirm that that's the husband that the man of God prophesied to her 3 years ago, and the man came. So let us watch our screens and saw how God encountered the man during our last Friday prophetic service. Changes my this. Where is who is the successor of your father? Qui est le successeur de ton père? C'est mon grand frère. My elder brother. Your elder brother. There is something I want to talk to you. Il y a quelque chose que je veux vous en parler. Concerning your elder brother. Concernant ton grand frère. Huh? The successor of your father. Le successeur de ton père. Has opened doors. A ouvert la porte. Has opened doors. A ouvert in the family. La porte pour Satan dans la famille. A meeting. Il y a une réunion. Oui. Please, come inside, come inside. These mics. See. Regardez. Is it the same family? Oui, c'est mes enfants. C'est mes enfants, madame. Okay, these are your children. Yes.
The successor of your father. Le successeur de ton père. There is something that he failed. Il a échoué quelque part. To do. Il a échoué de faire quelque chose. A successor. Le successeur. Does not have to select people. Il ne doit pas choisir les gens. To work with in the family. Travailler avec eux dans la famille. The successor is supposed to be the father of the family. Le successeur doit être le père de la famille. It's not to select people. Il ne doit pas sélectionner les gens. To be with. Pour travailler avec eux. While the others. Pourtant les autres. He keeps aside. On met de côté. Hmm? Oui, pastor. Number two. Numéro deux. There is something that your family. Il y a quelque chose que ta famille. Your father's did. Ta famille a fait. There's ton something père, that, la génération there de tes pères, did. Ils ont fait quelque chose. This thing was an abomination. Ce chose, c'était une abomination. This thing, as you people, the successor, as he took over. Le successeur, comme il a pris. He took après over, ton père. He took over the curse. Il a pris la malédiction. There is a curse that this curse came to your family. Il y a une malédiction qui est venue dans votre famille. Came to other families in your village. Qui est venue dans les autres familles dans votre village. Because your fathers they did something in that village. Parce que tes pères ont fait quelque chose dans ce village. This thing brought curse. Ce chose a amené la malédiction. This curse, I'm seeing this curse over your family through your ancestors, through your successor. Je vois cette malédiction dans votre famille à travers le successeur. This message is, I believe this message is too deep for you. Huh? This thing was concerning your father. Le message est vraiment très profond pour toi, ça concerne him and some other people. Lui avec certaines personnes dans le village. They involved in something that was bad. Ils se sont inclus dans certaines choses qui étaient mauvaises. Repercussion visited all these people, including your father. Les conséquences ont visité ces gens, c'est la même ton père dans vos villages. Is your husband? Oui, pasteur. C'est votre mari? I'm seeing you drop out of school. Je te vois quitter l'école. Be careful. Fais attention. Say, help me, Jesus. Dis, aide-moi, Jésus. You want to drop school? Tu veux quitter l'école? No. I'm seeing you dropping out of school. Parce que je te vois quitter l'école. If Dieu does not help you, school will be very hard for you. Si Dieu ne t'aide pas, l'école serait très difficile pour toi. School will be very hard, and then you will become very discouraged. L'école serait très difficile. Mother of Jesus Christ. Have you heard? Yes. Be like the mother of your siblings. Sois comme la mère de tes petites. I'm seeing you with a heart. Je vois ton cœur. To take care. Je vois le cœur. Tu prends soin. I'm seeing you among your siblings. I'm seeing you. You have the heart to take care of your siblings. Je dis parmi tes frères et sœurs, tu as le cœur là de prendre soin de tes frères et sœurs. Où est ta mère? Où est ta mère? See, among them, I'm seeing her. She have that heart. Parmi eux tous, je vois qu'elle a le cœur là de prendre soin. Vérité. Huh? Vérité. So continue with that heart because there is a reward for you. Continue avec cette cœur parce qu'il y a une récompense pour toi. Amen. Take care of your younger ones. Prends soin de tes petites. Thank you, Jesus. God bless you. Que Dieu te bénisse. Amen. God bless you. You are still watching your screen. I'm connected with congratulations, faith. Congratulations, Félicitations. Thank you. Congratulations. Félicitations. Congratulations. Félicitations. You see this relationship? Tu vois cette relation? Tu vois cette relation? You see this relationship? Tu vois cette relation aussi? This relationship is still today out of your faith. Cette relation existe toujours aujourd'hui, c'est à cause de ta foi. Vérité. Vérité. It's out of your faith. À cause de ta foi. Daddy, c'est vous qui avez prié pour que son mari revienne au Cameroun quand on était derrière Bokom. Hein? C'est vous qui avez prié pour elle son mari revienne au Cameroun. Il était au Congo. Et son mari est revenu. Il avait fait 10 ans hors du pays. Man of God, you were the one that prayed for her when her husband was still out of the country. We were behind Bokom. You prayed and her husband came back. Whereas he has stayed 10 years outside. Okay, your husband.
this man has paid 10 years yes. in Congo. Yes. I was the one that prayed yes. and he came back from where he was. Yes. Glory yes, to God. So this is the way you give the testimony. Amen. Amen. So this one is by false testimony. Donc, ça, force à témoigner. Que Dieu vous bénisse. Hein? God bless you. Amen. I'm seeing it's by faith that this relationship is still together. C'est pas la foi que cette relation. Can you understand my message now? Est-ce que tu comprends mon message maintenant? Can people understand my message now? Est-ce que vous comprenez mon message maintenant? When God speaks, it looks foolish in the eyes of men. Quand Dieu parle, ça semble bête les yeux des hommes. Imagine your husband 10 years. Imagine ton mari 10 ans. Out in Congo, suffering there and. Dans notre pays. No, nothing, no link, no nothing. Là-bas, rien, vous n'avez pas de connexion. Upon everything, she suffer. And tout ce qu'elle a traversé, the man still came. L'homme est revenu. And she still accepted. Elle a toujours accepté. Not that the man came with millions. Pas que l'homme est venu avec les millions. The man came. Il est venu comme ça. Did he come with any millions? Il est venu avec les millions? Non. Non. Do you come with any millions? Il est venu avec les millions. Thank you. So is that not the faith of this woman? Clap for this woman. Congratulations. Félicitations. God bless you. God bless you. Jesus' name. Can we clap again for our sister mightily? Hallelujah. Souvenez-vous, téléspectateurs, vous avez vu la vidéo de l'homme de Dieu lorsqu'il était en train de prophétiser au mari de cette femme. Souvenez-vous, l'homme de Dieu ne savait pas qu'effectivement il s'agissait du mari de cette femme. Lorsqu'il a félicité cette femme, il lui a dit, Madame, félicitations, parce que cette relation est toujours existe jusqu'à aujourd'hui à cause de votre foi. C'est alors maintenant que cette femme a rappelé à l'homme de Dieu qu'effectivement, lorsque l'église était encore localisée ailleurs, l'homme de Dieu avait prié pour elle et avait prophétisé que son mari devait revenir. Et effectivement, son mari était venu ici, donc, à ce culte prophétique spécial. Et l'homme de Dieu avait vraiment félicité sa femme, disant que c'est à cause d'elle et c'est sa foi qu'effectivement son mari est retourné. Et l'homme de Dieu aussi a continué à prophétiser en disant que son mari était retourné les mains vides. Ce que sa femme aussi a confirmé. Madame, après avoir reçu ces paroles de prophétie de l'homme de Dieu, le prophète Samuel, après avoir reçu la prière de l'homme de Dieu, le prophète Samuel, et que votre mari a été restauré dans votre foyer, et effectivement, l'homme de Dieu aussi avait confirmé pour poursuivre pendant ce vendredi spécial en disant que votre mari était retourné les bras vides. Et vous avez confirmé effectivement que c'est vrai, votre mari était retourné les bras vides. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la puissance de la parole de prophétie ici au ministère de la Montagne Sainte? Oui, je voudrais exhorter mes frères et sœurs à croire en la parole de l'homme de Dieu. Envoie foi en la parole de l'homme de Dieu et en la parole du Saint-Esprit et de rendre régulièrement témoignage. Venez toujours faire témoignage, rendre régulièrement témoignage de ce que l'homme, la parole de Dieu a fait, a agi dans leur vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur Jésus-Christ? So, viewers all over the world, our sister is advising and telling us that each and everyone who is coming here to believe in God, believe in the word of the man of God, and most importantly, always come back to testify and thank God for what the Lord has done into your life. Hallelujah. So please let us learn from something from our sister. She said that when the husband came back, they did not come to testify. Elle pas venue témoigner. She had a capital to do business. Elle avait un capital pour faire les affaires. Of 1.7 million. 1 700 000. And when the husband came, et quand son mari est revenu, they were so much interested. Ils étaient tellement intéressés. With the blessings. Avec les bénédictions. And they forget to come back and thank God. Ils ont oublié de revenir. Merci. And she said, within the twinkle of an eye, et elle dit que, everything went down to zero. Tout est devenu zéro. Amen. Amen. This is what is happening with us today. C'est ce qui se passe avec nous aujourd'hui. God has been blessing us. Dieu nous a bénis. He has been giving us great and mighty things. Il nous a donné de grandes choses. But within the twinkle of an eye, mais en une fraction de seconde, everything goes down to zero. Nous avons tout perdu. What is the problem? Quel est le problème? Because we have not yet come. Parce que nous ne sommes pas encore to venus. Seal what God has done for our life. Pour sceller ce que Dieu a fait dans nos vies. Amen. Amen. When you don't testify, quand tu ne témoignes pas, for the goodness of God in your life, pour la bonté de Dieu dans ta vie, Satan will go to God, Satan va aller à Dieu, and take permission from God, il va prendre la permission to à Dieu, come and destroy you, pour venir te détruire, because you are not a grateful servant, parce que tu n'es pas un serviteur
Amen. Reconnaissant. Let us have a grateful heart. Ayons des cœurs reconnaissants. Come and testify. Viens témoigner for what God has done to you. Ce que Dieu a fait pour toi. There is nothing too small. Il n'y a rien qui est petit. To thank God for. Pour remercier Dieu. In Jesus' name. Au nom de Jésus. So our sister, you have seen the hand of God. The Lord Jesus Christ has set you free. He has restored your husband, and he has brought back joy into your destiny and into your family. So what will be a word of advice to the people watching at you right now all over the world, especially those who have marital challenges and they don't know what to do? Donc notre sœur, après avoir vu la main de Dieu puissamment agir dans votre mari, dans la vie de votre mari, dans votre foyer et dans la vie de vos enfants, qu'est-ce que vous pouvez donc dire? Quel conseil pouvez donner à ceux-là, à ces femmes qui traversent des moments difficiles dans leur foyer? Quel conseil pouvez vous donner à ces femmes dans le monde? Oui, je vais conseiller cette dame de foi en Dieu, de croire en Dieu. Et chercher à comprendre pourquoi si ou ça arrive dans notre vie. Prier régulièrement, ne pas rester sans prière. Parce qu'à travers la prière, on reçoit beaucoup de bénédictions. Venir régulièrement à l'église et rendre témoignage. Parce que je me rends compte que si j'avais fait, peut-être je serais loin. Bon, tout ce que Dieu fait est grâce. Hallelujah. So our sister is advising each and everyone that no matter what you are going through in your marital life, he said you should stay true to the word of God. Be a prayerful woman. Have faith in God. Because her faith was what met her to stand strong till the husband returned. And she said that most importantly, we should not always forget to come and thank God, to come and testify. Hadn't been that she testified the moment the husband came, by today, she could have been very far. So our sister, we want to thank you for your word of advice. And we also want to advise you, as a man of God say, you are a woman of faith. Don't blame your husband. Don't blame anybody. The Lord Jesus Christ, who has made it possible for your husband to come back and still reunite with you, he's going to restore whatever you have lost and whatever that you have been crying and asking God for. As you leave from here today, the Lord Jesus Christ is going to surprise you in Jesus' name. Amen. Can we clap mightily for Master Jesus Christ? So my sister, go in peace and serve the Lord. Merci. Merci.